Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de « Vous avez bien fait ». Hier, notre émission a prouvé à M. Henri qu'il avait bien fait de tromper sa femme. Le sujet retenu pour ce soir est tout à fait différent. Il s'agit de la jeune Marine, 13 ans, et comme vous allez le voir, sa question est très touchante. Tout de suite, la reconstitution. Marine a 13 ans. Elle vit seule avec son père. Depuis quelque temps, Marine a la conscience tourmentée, à tel point qu'elle a fait appel au service de l'équipe de l'émission « Vous avez bien fait ». Marine a en effet pris l'habitude de dérober discrètement les bouteilles d'alcool de son père et d'aller boire seule dans sa chambre. Comme vous l'avez vu, il s'agit aujourd'hui du cas de conscience d'une toute jeune personne. Étudions d'abord la vision portée par la société sur la situation de Marine. C'est trop jeune pour commencer à boire déjà. C'est inutile, ça ne lui sert à rien de faire ça. Faut faire attention, surtout à l'alcool. Faut le papa, il sait qu'il a une fille, il faut qu'elle cache l'alcool. C'est comme un produit de Javel ou qu'on doit ranger dans un placard fermé à clé. Donc, pas d'alcool, ou moins d'alcool, jeune ou pas. Eh bien Marine, on comprend facilement que tu te sens stigmatisée par la société. Malheureusement, il existe une part de vérité dans tous ces témoignages. Boire trop, pendant trop longtemps, est mauvais pour ton foie. Tu es une personne jeune et robuste. Aussi, ton foie a probablement l'apparence d'un foie jeune et vivace comme celui-ci. Néanmoins, ton papa, qui consomme de l'alcool depuis de longues années, doit avoir un foie usé et fatigué, comme celui-là. Marine, il faut bien que tu prennes conscience que tout l'alcool que tu déroberas à ton papa en sera autant qu'ils l'éloigneront de la maladie. Voyons maintenant un avis d'expert médical sur le sujet. Il est vrai que la consommation non abusive d'alcool peut réduire le taux de cholestérol et favoriser la circulation sanguine. Un petit verre de vin par jour ne peut pas faire de mal. Par ailleurs, cette récente étude sur les effets de l'alcool sur l'organisme stipule que l'effet le plus classique est la réduction de l'artérite. L'alcool est un produit qui stimule l'individu, c'est-à-dire favorisant l'échange avec les autres. Marine, comme tu peux le constater, cet alcool n'est pas mauvais pour ton organisme. Prenons comme exemple un troupeau de gnous. Ce troupeau avance au rythme des plus faibles. Quand survient un prédateur, il s'attaquera en priorité à ses membres faibles, et le troupeau sera alors libre de reprendre sa route plus rapidement. Maintenant, Marine, il en va de même pour ton cerveau. L'alcool s'attaque aux neurones faibles, ralentissant ta réflexion, agissant ainsi à court terme comme un stimulant intellectuel. Malgré tous ces bienfaits, une politique de modération se fait de plus en plus forte à l'heure actuelle. Et afin de mieux cerner l'exemple précis de Marine dans ce contexte, nous avons envoyé une équipe à la rencontre d'un spécialiste en la matière. Écoutez, il faut bien avoir à l'esprit que, de nos jours, l'alcoolisme chez les jeunes est un véritable fléau dans notre société. Ils se saoulent à outrance et prennent le volant alors qu'ils ne sont même pas capables de tenir debout. On a affaire à un type de comportement tout à fait déraisonné et inconscient. Car non seulement ils se tuent, mais ils emportent dans leur folie d'honnêtes citoyens. Dans le cadre de la petite Marine, c'est totalement différent. N'ayant que 13 ans, elle n'est pas en âge de conduire. Son comportement ne représente donc aucun danger. Pour finir, Marine, quand tu voles une bouteille d'alcool à ton papa, tu le pousses à aller en acheter une nouvelle. Tu te places ainsi à la base d'une chaîne de relations commerciales qui fera fonctionner à son plein l'économie de ton pays. Ainsi, tu feras vivre vignerons, épiciers, barmen, industrie, assistantes sociales et même médecins. Toutes ces personnes représentant à leur tour des groupes de pression qui pourront interférer pour toi au gouvernement. Marine, en volant cette bouteille, tu accomplis un acte citoyen. Et nous espérons que tu as bien compris que tu as bien fait. C'est ainsi que se termine notre émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dès demain avec l'un de ces trois nouveaux sujets. Francis, 40 ans,
Je collectionne toutes les images d'archives de Tibétains brutalisés par les forces chinoises et j'aime ça. Anonyme, homme politique, j'ai fait voter une loi pour faire reconduire les immigrés à la frontière. Ou Albert, 92 ans, j'ai activement contribué à la déportation de plusieurs familles juives de 1940 à 1944. Vous pouvez nous envoyer vos votes par SMS au 63 004. Merci et bonne soirée.